Salut tout le monde, c'est Warconix et aujourd'hui on se trouve pour une nouvelle vidéo réaction sur le film Spider-Man No Way Home, le dernier qui est sorti il n'y a même pas une semaine. J'ai trop hâte de découvrir ça avec vous. On lance sans plus tarder et si vous avez apprécié, dites-moi vos théories pour le prochain qu'il y aura. Qui a filmé, c'est un crack. Effectivement. Ah, Jimmy Johnson. T'es qu'un gamin, mais arrête. Mais il t'a pas frappé, arrête. Mais il est con, lui, de sauter. Oh, c'est l'ennemi public numéro 1. Oh là là. Oh là 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 là. Wow. On a flash. Il était sur TikTok, on est d'accord. Donc là on a MJ. Une dinguerie, c'est une dinguerie. On entre d'entrée de jeu. Putain, on a Happy. Non mais par contre, est-ce qu'on en parle de... Ah. Ah. La tante mais... Oh là là. Mais par contre, est-ce qu'on en parle que... On dirait pas que... la tante, elle est jeune, quoi. My God. Ils savent. Oh, il a calvitie, Jimmy Johnson. On a le four vert. C'est excellent. Les autorités viennent tout juste de confirmer que les drones tueurs utilisés lors de l'attaque de Londres ont été conçus par Stark Industries. Agent fédéraux, ouvrez. Les fédéraux, tu bouges pas de là. Ouais, bah quoi. Ça fait longtemps qu'il attend. Oui, ça marche. Désolé pour tout ça, mec. On m'a dit qu'il fallait rien vous dire. T'as raison, ne dis rien. J'ai juste une petite question. Le jour où MJ t'a appelé que Peter était Spider-Man, j'étais au courant bien avant MJ. J'étais, vous savez, son guide dans le fauteuil, je sais de quoi t'en as. Allez voir, je l'ai carrément aidé à trouver le poteau. Je ne savais pas qu'une fois je l'ai aidé à hacker son costume. Mais un autre jour, aller dans l'espace. Donc, dans le cadre de ses activités illégales de justicier, tu étais son principal complice. Ned, t'es pas possible. T'es pas humain, toi.
Non, 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 non. Je sais pas à quel âge, mais elle fait pas son âge. C'est vrai. Après, ça a été quand même. Il a été beaucoup aidé par Tony Stark. Mais vas-y, tu dis je sais ce que t'as fait, mais après, vous avez vu ce que Mysterio elle a fait? Ah, mais ils sont pas possibles, hein. Dites-moi, c'est lequel Spider-Man que vous préférez? Je sais pas, les sceptiques. MJ. Ça fait bizarre quand même de voir MJ du coup officiellement pas encore adulte. Ils ont été tous recalés. Putain, mais Flash, t'es pas possible. Il est fugitif. Ah. Il vient de penser à Doctor Strange. Y a que lui. Y a que lui, là. Il veut remonter dans le temps, je pense. Non, c'est pas sérieux. Ce sortilège franchit la frontière obscure entre réalité connue et inconnue. C'est trop dangereux. Non, mais on l'a utilisé pour moins que ça. Tu te souviens de la fête de la pleine lune à Cavartage? Non. Allez. Heureux de t'avoir connu, Spider-Man. Quoi, comment ça? Dans quelques instants, tout le monde aura oublié que Peter Parker est Spider-Man. Moi y compris. Quoi, tout le monde? On peut faire des exceptions? Le sortilège ne fonctionne pas ainsi et c'est très difficile et dangereux de le modifier quand il est lancé. Alors la copine va oublier tout ce qu'elle a vécu avec moi. Et après, est-ce qu'elle sera encore ma copine? Ça dépend, elle sortait avec toi juste parce que tu étais Spider-Man. Bah, j'en sais rien, j'espère pas. Ok, parfait. Le monde entier va oublier que tu es Spider-Man, sauf ta petite amie. C'est super sympa, merci de... Oh, tu es Ned. C'est quoi un Ned? C'est mon meilleur pote, c'est super important pour moi qu'il le sache. Voilà. Bah ouais, mais tu l'as déconcentré aussi. Déconcentre pas un magicien. Tu n'as pas essayé de... Eh bah, j'ai reçu leur lettre et je me suis dit que c'était... Une minute. Tu es en train de me dire que tu n'as même pas songé à plaider ta cause auprès d'eux avant de venir me demander de lobotomiser la Terre tout entière. Bon, c'est vrai que présenté comme ça, c'est... Allez! Elle est où? C'est bon, il l'a trouvé. Allez! Allez! What? Son sens d'araignée. Pourquoi vous courez? Qu'est-ce...
Mais non! C'est lui? Mais il est mort ? Où tu l'as caché ? Écoutez, monsieur, si vous arrêtez... Mais quoi ? Mais d'où ? Non, mais... C'est un rêve. C'est Docteur Octavius ! Elle est bloquée, ta portière, hein. Et quoi? Mais c'est une blague. Non mais là il se trompe de personne, là c'est pas possible. Il est dans une autre... Non non, ça c'est à cause du sort de Doctor Strange. J'aurais dû tuer ta petite amie quand j'en avais l'occasion. Qu'est-ce que vous venez de dire? Oh. On dirait qu'on a de la concurrence. On dirait qu'on a de la concurrence, oh là 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 là. Vas-y, défonce-le. Oh my god. Mais toi, mais casse-toi! Dépêche-toi. Oh my god. Ouf. Oh non. Je t'ai sous-estimé, on dirait. Mais ton heure a sonné. Mais quoi? Non, je peux pas. Tu n'es pas Peter Parker. Bah non, c'est pas toi. Bah non, on va pas t'obéir. Cette blague. Non. Non, là, c'est pas possible. Y'a le bouffon vert. Hein? Y'a le lézard? Électro? Mais qu'est-ce que vous venez de faire, ça? Ça les envoie ici et au suivant. Y'a pas de quoi, au boulot. Rappelez-moi comment vous vous appelez. Docteur Otto Octavius. Ouais, non, sans rire, c'est quoi votre prénom? Oh, lui, c'est un dinosaure. Doucement. C'est Electro. C'est Electro. Osborne ? Non, il était vert. Lui, il est bleu. À tout hasard, vous viendriez pas d'un autre univers ? C'est quoi cet Electro ? Le sable ? Quel homme ça? Oh là là, non mais... Non mais là, c'est... C'est excellent. C'est excellent. On a le lézard. On a vu... Docteur Octavius. J'ai vu un autre, mais j'ai pas vu c'était qui. On a du coup... l'homme sable. Electro. Et on a... Merde, donc Norman Osborn alias le bouffon vert. Et on a le vrai bouffon vert. Ah, enfin il est là. Norman, je vous présente mon neveu.
Hein? Non mais attends, il va réagir comment du coup, Octavius? Qu'est-ce qui t'est arrivé? Qu'est-ce qui m'est arrivé? Je te signale que t'es un zombie. Quoi? Qu'est-ce que tu veux dire? Tu es mort. Norman, ça fait des années. C'est une relique ancestrale, la machina de Cadavus. J'y ai piégé ton sortilège corrompu et quand j'aurai terminé le rituel prescrit, elle inversera le sortilège et réexpédiera ses gens dans leur univers. Et après, quoi? On meurt tous? Non, sans façon, ce sera sans moi. Laissez-moi sortir! Bah oui, mais ils sont déjà morts. S'ils sont morts, ils sont morts. Fais pas de conneries, Peter. Je me souviens qu'il n'y avait plus beaucoup d'essence. Oh putain. Non! Non. Il me semble souvenir. Voilà pourquoi j'ai jamais eu de gosse. T'es plus dans ton corps, hein. Après, tu me diras aussi si le film il s'arrêtait maintenant, ça serait pas drôle. C'est quoi cet endroit? La dimension miroir. C'est un monde que je contrôle. Peter, tu te rends pas compte que dans le multivers, il existe un nombre infini de personnes qui savent que Peter Parker est Spider-Man. Oh, par contre, c'est exceptionnel les effets spéciaux. C'est exceptionnel. Ils cessent pas faire, n'empêche. Hein. Pas faire. Oula. Il y en a pas beaucoup quand même qui défient Doctor Strange comme ça. Il y en a pas beaucoup. Hein. Rayon carré, divisé par pays, casser des points le long de la courbe. On a assez joué, Peter. Je te récupérerai quand ce sera réglé. Hé, hey, Strange! Vous savez ce qui est plus cool que la magie? Les maths. Ne fais pas ça. Au revoir! Ah. Non, il l'a pas tué. Disparu. Otto. Oui. Norman. Merci infiniment, mon garçon. Vraiment. Je vous en prie. Est-ce que je peux aider? Les dieux n'ont pas à faire de choix.
Non. J'ai combat. Fort pour être tout à la fois. Mais trop faible pour oser l'être. Allez, il y a les... Oh, il lui a fait un... Il lui a fait une prise de catch. Il lui a fait un powerbomb. Quoi? Non, arrête. Arrête. Me dis pas ça. Me dis pas qu'il a tué May. C'est bon. Ok, c'est bon. C'est monstrueux. C'est officiel, c'est le meilleur Spider-Man. Oh! Non. Arrête, me dis pas ça. Non. Oui, ça va aller. Qu'est-ce qui t'est arrivé? J'ai juste besoin de reprendre. Non. Vas-y, reprends ton souffle, je suis là. Oh non. Non. Ah, il va le payer. Norman Osborn, il va le payer. Il va péter un câble. Sauve-toi. Pardon? Pourquoi t'as fait ça? Pour voir si t'avais la petite antenne. Je l'ai, mais pas pour éviter les bouts de pain. Mais quoi? Mais attends, mais... Il y a Andrew Garfield? Mais quoi? Non mais attends, c'est une blague. J'essaie de trouver votre ami depuis que je suis ici. J'ai le sentiment qu'il a besoin de mon aide. Notre aide plutôt. D'aller dans un endroit où il se sent bien.
Et en plus, c'est la voix officielle, hein, si je me trompe pas. Celle d'Andrew Garfield, c'est bon, mais Toby Maguire, je sais pas. Oh, il est toujours aussi charismatique. Hein. Voilà, ça va être une dinguerie. Là, ça y est, ça va signer là. C'est qui les super vilains les plus bizarres que vous ayez affrontés? Il y a l'homme sable aussi, hein. Oh, le lézard. Ah, le lézard, t'es un peu bloqué là. Oh là 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 là. Oh, ils sont. Oh, c'est excellent. Oh, c'est... oh là oh, là, là c'est... ce plan. Oh, ce plan. Ok. Ah. Oh putain. Putain. Eh, ça bug toutes les deux secondes, ça me saoule. Voilà. Oh, ils ont mis le vrai acteur! On va te renvoyer chez toi. Comment on va l'arrêter? Je l'ai jamais vu aussi. Ok. C'est le vrai acteur Arc! Faut qu'on lui enlève! Je vous laisserai pas me dépenser. Ouh! Pas content, hein? Pour l'instant, on n'a toujours pas vu Osborn. Hein. Je pense que ce sera le dernier. En même temps, il a le réacteur Arc. Hein. Exceptionnel. Allez! Ah, il y a Dr. Octavius.
C'est les Sinister, je crois. Yes. Il est avec eux. Oh là 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 là. Donc là, il a soigné l'homme sable, Electro et Dr. Connors. Mais il reste Dr. Osborne. Non. Oui, Norman Osborne, pardon. Oh, ça fait plaisir de les voir tous les deux. Oh putain, ça y est. Ça y est, le combat final. Le combat final. Oh non, il a mis une bombe. Non, MJ! Non, 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 non! La tête! Non, 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 non! Oh yes! Oh putain, j'ai failli. Il a pas voulu revivre ça, je pense, Andrew Garfield. C'est ce qu'il aurait voulu faire pour Gwen. Je pense que Peter, il va lui laisser aucune chance. Il va lui faire le coup de ouais, je suis plus. Pauvre Peter, trop lâche. Non, c'est mieux si c'est moi qui vous tue. Tu vois quand tu veux. Yes. En vrai, je suis désolé, mais il mérite que ça. J'ai toujours voulu voir Peter. Allez, allez! Allez, allez! Détruis-le! Ouais, ils vont l'arrêter, je pense. Oh là, il peut plus répondre là. Voilà, là il répond plus de rien là. Il répond plus de rien. Il venge jamais. Je le comprends. Mais c'est pas Peter. C'est pas Peter. Le seul truc c'est ça. C'est pas un meurtrier. Sauf que là il va dans des retranchements. Je le savais. Non, non, non. Non. Ouais, ça va, on m'a déjà poignardé. Ah bien, cool. Oh, mince. La réception. J'en ai lancé. Non. Mais ça marcherait, non? Oui, ça marcherait. Mais ce que tu dois comprendre, c'est que toutes les personnes qui te connaissent et qui
tiennent à toi. Enfin, nous... nous n'aurions plus aucun souvenir de toi. Non, 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 non. Le boulot. Ouais, c'est le boulot. Ah, vous, t'as mal, non. Je te raconte pas, ouais. D'entrer au MIT. Ouais. On peut pas finir comme ça. Ils ont vraiment fini le film comme ça. J'ai pas des mots. Le film était exceptionnel. Tourné de A à Z. Une bonne histoire. Peut-être l'un des meilleurs Spider-Man qu'on ait pu avoir parce que surtout, il a réuni la trilogie et The Amazing Spider-Man. Waouh. On a eu beaucoup de rebondissements. Dites-moi dans l'espace commentaire ce que vous en avez pensé du film. Et moi je vous dis... c'était Warconix, n'oubliez pas, dites-moi dans ce commentaire ce que ça, si ça vous a plu. Des théories pour le prochain film. Et j'ai pas les mots. Allez, moi je vous dis, c'était Warconix, n'oubliez pas. Long Live Fairy Tail à tous les autres humeurs d'anime, film et Spider-Man. Et puis moi je vous dis, c'était Warconix. À la prochaine.